Japon, 4 dates, 3 villes, Tokyo, Osaka et Kobe, pour remplir de petites salles intimistes mais qui permettent le contact, le fondateur des Kikaeri est ravi. Les voyages sont toujours sympas, et celui du Japon particulièrement, parce que c'est un pays qui m'a toujours interpellé, mais par leur culture un peu fermée. Le rock, les Japonais aiment, surtout quand il leur permet de faire sauter quelques verrous. Premier abord, ils sont fermés, mais une fois qu'ils ont descendu une, deux bières, les barrières tombent, et là on découvre des gens vraiment chaleureux, sympas, très très gentils, et qui ressemblent aux Polynésiens. Les Tikaeri ne s'arrêtent pas là. Ils prévoient une grosse tournée en Russie en 2017. Ils y sont déjà connus. Ça va être aussi une bonne aventure, je pense. On a un public qui part du pays de l'Est, surtout en Ukraine. Je pense qu'il y a un vivier d'à peu près 2000 personnes qui nous suivent. Kaeri toujours au top, avec des clips qui décoiffent, le métal Pomotu déménage, et pas seulement dans le triangle polynésien. Stéphane Rossoni, Aroma Salon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, quel est le bilan de cette tournée au Japon ? Fatigant mais exaltant. Voilà. Non, tout à fait positif. On est parti, bon, dans un pays, comme dit Aroma, tout à fait fermé, disons, vraiment différent de... C'est vraiment des paysans, le Japon. Et j'y avais été il y a longtemps et j'avais vraiment envie qu'on y retourne avec le groupe. Et donc, ce bilan, ben, on a joué 4 fois au lieu de 3, donc c'était plutôt positif. C'était fatigant parce que il y avait des kilomètres à faire, il y avait des répétitions, donc c'était pas des vacances. Mm-hmm. Peut-être les 2 premiers jours, c'était des vacances. Bon. Et encore, il y avait le mauvais temps avec le typhon. En plus, il y avait le typhon les premiers jours, voilà. Mm-hmm. Non, mais donc, je pense qu'on a été des bons ambassadeurs de Tahiti. On est venu avec nos colliers, on a remercié les patrons avec des liqueurs de Tahiti. On a amené nos monoï, on a amené nos sourires et notre bonne humeur. Mm-hmm. Et ça faisait plaisir de pouvoir passer 8 jours avec les collègues musiciens. Parce que tu vois, là, il faut que je vienne à RFO pour voir Aroma, que je n'ai pas vu depuis le Japon. Tu vois ? Donc c'est une tournée qui vous rapproche, en fait. Il y a le côté humain qui est très important dans ce genre de déplacement. Ouais. Aroma, vous, qu'est-ce que vous retiendrez comme souvenir du Japon et plus particulièrement de ce public pour qui vous avez joué ? Eh bien, comme je disais dans le reportage là, qui a été tourné ce matin, ce sont des gens vraiment sympathiques, vraiment, vraiment chaleureux, très gentils. Et le matin, quand je me réveille, je mets en marche mon téléphone et je me connecte sur Internet. Et j'ai 20 de messages tous les matins. Des messages de « passe une bonne journée, c'est super, on écoute votre musique ». Ils envoient une photo avec, ils prennent en photo leur écran de radio en voiture. Alors, tu as les titres de Tikahiri, ils nous suivent. Donc des messages de vos fans, en fait, là-bas, sur place. Oui, bon, les fans, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, des amis. Stéphane, vous deviez déjà partir au Japon l'année dernière, ça ne s'est pas fait. Quelles ont été les contraintes ? Quelles sont les contraintes pour organiser un déplacement ? Il y a bien sûr des contraintes financières, et là, on va remercier vraiment le ministère de la Culture qui a fait un geste pour nous aider, pour pouvoir sortir, parce qu'on sait très bien que tous les groupes à Tahiti ont un problème majeur, c'est l'isolement de cette île qui fait que si on sort, ça coûte quelque chose. Bon, on a la chance d'être ambassadeur Air Tahiti Nui, c'est grâce à eux aussi qu'on peut se permettre d'aller, comme on était en Chine, on a été en France plusieurs fois, et donc on les remercie aussi bien sûr. Et donc l'année dernière, on n'avait pas réussi à avoir le budget suffisant parce que ça a un coût, il ne faut pas penser que les choses se font et qu'on gagne de l'argent et que c'est... Bon, ça a un coût. Donc grâce au ministère et grâce à nos fonds propres, on a pu se permettre de se faire ce voyage qui est pour nous quelque chose d'important, parce qu'en fait on va semer des petites graines un peu à droite à gauche, voir planter, rencontrer des gens. On a rencontré des gens qui veulent nous emmener en Inde maintenant, des gens qui veulent nous faire jouer en Nouvelle-Zélande. Donc c'est quand même assez paradoxal d'aller au Japon pour pouvoir après peut-être parler. C'est des réseaux, c'est des contacts, c'est des liens humains, c'est de la musique, quoi. C'est des choses que un peu seuls les musiciens aussi peuvent. C'est une dimension de la musique. Je veux dire, quand on est parti dans un morceau et qu'il y a quelque chose d'autre qui se dégage, il y a une autre dimension. Et cette dimension-là, je crois qu'il n'y a malheureusement que les musiciens qui peuvent l'appréhender et la connaître. Et c'est ce qu'on peut appeler le bonheur. La Chine, la France, aujourd'hui le Japon, vos projets, est-ce qu'on peut en parler, Aroma ? On parle de la Russie. Oui, bien c'est sûr. C'est un projet qui... Alors, on a un fan club, en Russie. Ils sont à peu près 2000 personnes. Et ça fait 2-3 ans maintenant que Steph envoie toutes les semaines une dizaine de posters. Au départ, nous avions une pile de posters de cette épaisseur-là. Maintenant, il est tout petit. Et il va falloir penser à renouveler le stock. Et du coup, bah, y a dans ce groupement de pays-là, tu as l'Ukraine, la Pologne Russie, et la Russie.
Et l'année prochaine, au mois de juillet et août, on organise là. Voilà. Et on va se produire là-bas et rencontrer, faire la fête et parler russe. Faire la fête, je ne sais pas. C'est pas sûr. Qu'est-ce qui plaît, selon vous, Aruma, dans votre style de rock polynésien, de rock Umutu? Ben le rock dégage quelque chose de fort et touche les tripes. Mmh. Et ça sort aussi des tripes. Nous, quand on joue, on n'est pas là à essayer de copier un truc. Ce qu'on joue, c'est vraiment ce qu'on est, quoi. Ils ont en face d'eux un groupe qui envoie en l'air du son, du gros son. C'est une source d'énergie qui est puissante. Nous, ça nous parle. On aime beaucoup ça. Et ceux qui sont en face, c'est un public averti. Et du coup, on parle le même langage et on est sur les mêmes ondes, celle de la musique rock. C'est vrai que les pays de l'Est sont quand même très orientés, beaucoup plus rock, métal, que le Pacifique, mm-hmm. Sud, ou même le Japon, ou même la Nouvelle-Zélande. Donc c'est quelque part un petit peu plus normal qu'on ait une réponse par là-bas. Quoi. Mm-hmm. Messieurs Stéphane Rossoni, Aruma Salon, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci de m'avoir invité. Merci.